argent, gloire, prestige. Non, 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 ce n'est pas le nom de trois enfants congolais. Mais c'est ce que tout joueur qui a commencé à jouer au foot et qui a des aspirations professionnelles espère avoir quand celui-ci va percer. Donc, dans le manga Block aujourd'hui, comme on l'a vu dans le titre, on va voir les 5 meilleurs joueurs en ce moment dans Blue Lock. Les 5 meilleurs joueurs pro, je précise bien, pro. Donc, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? C'est parti! À la 5e position, je vais mettre Julien Loki, le prodige du football français. Le gars, il est surclassé en professionnel. Il a 17 ans et il est considéré déjà comme un des meilleurs joueurs, un des meilleurs attaquants au monde. Le gars, il vient de rentrer au PXG et déjà, c'est une menace. Il a été sélectionné par Togo pour être un des maîtres attaquants. Les maîtres attaquants, c'est eux qui vont enseigner aux joueurs du bloc à devenir des meilleurs joueurs. Donc déjà, à son jeune âge, il fait preuve d'une maturité déconcertante. Ses points forts de ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que ce gars-là, il est extrêmement rapide. Ça fait penser à quelqu'un? Ça fait penser à quelqu'un, j'en suis sûr. Un kiki de Bondy. Donc, sa vitesse et son agilité sont ses points forts. Donc, Julien Loki, 5e de ce classement. En 4e position, je vais mettre Mark Snuffy. C'est un des meilleurs attaquants aussi, même si on ne connaît rien sur lui. En effet, on ne connaît absolument rien. Même rendu là où je suis, dans le manga, on ne connaît rien de lui. Mais pourquoi je le place aussi haut alors, si on ne connaît rien? Parce qu'on a vu d'autres joueurs. Pour l'épisode 23, pour ceux qui viennent de regarder, il n'y a pas si longtemps, on a vu 5 joueurs pro. Et dans les 5 joueurs pro, il n'y a que Julien Loki qui est là. Il y en a 4 autres qui ne sont pas présents. Pourquoi? Parce que Mark Snuffy, déjà là, c'est un des maîtres attaquants. Donc ça veut dire qu'il possède déjà un niveau très élevé. Il a l'air calme, déterminé, serein. Donc, je le place à cette 4e position. Il est déjà attaquant au UBE. Donc, c'est un des meilleurs joueurs de son poste. Donc, il nous réservera des surprises. C'est Marka Joker, 4e position, Mark Snuffy. À la 3e position, je mets Lavinio. Lavinio, c'est un des meilleurs joueurs aussi qui nous a été introduit dans le Blue Lock. Lavinio, il a beaucoup de similitudes avec Neymar et avec Ronaldinho. Et son style de jeu assez excentrique est basé sur sa personnalité assez fofolle. Déjà là, le gars, il a beaucoup de confiance en lui. Il se considère lui-même comme un des meilleurs attaquants, comme un des meilleurs joueurs au monde. Non, il se considère comme le meilleur, pas un des meilleurs. Il se considère comme le meilleur joueur au monde. Le gars, franchement, il a le style, il a le flow, il a le charisme. En plus, c'est un des maîtres attaquants qui était choisi par Ego. Vous connaissez Ego et son obsession pour la victoire, son obsession pour faire du Japon une grande team. Donc, il a fait appel aux meilleurs joueurs dans les meilleurs clubs. Il joue au FC Barça. FC Barça, FC Barça, FC Barça. Donc, ça te fait penser à quelque chose, frérot. Donc, Lavinio, c'est quoi ses points forts? Ses points forts, c'est sa technique de dribble. C'est normal. Le gars, il est brésilien. Donc, sa technique de dribble est imparable. Le gars, c'est presque impossible pour lui de perdre des ballons. Tous les tripes des dribbles, il maîtrise. Je vais vous dire, ce gars qui va être introduit dans le blog, pour ceux qui iraient à l'animé, ça sera une dinguerie. Pour nous qui suivons le manga, il a dribblé littéralement presque toute une team pour marquer un but spectaculaire. Un but spectaculaire. Donc le gars, il est vraiment fort. Et lui est le numéro 2. Ils sont au côte à côte. Donc mettez-moi en commentaire, c'est qui pour vous le deuxième ou le troisième? Parce que ces deux-là, il n'y a pas vraiment un gros différence de niveau entre eux. À la 2e position, je mets Chris Prince. Chris Prince, c'est le maître striker de Manchester City. Il est fort quand même, le gars qui a créé le blog. J'aime bien les différences. Pour nous qui se voient un peu le foot à côté, on arrive facilement à faire les connexions. Donc, Chris Prince, c'est un attaquant qui est obsédé par le physique. Le physique, pour lui, c'est important. Il prend soin de son physique. Le gars, il va à la salle. Il mange bien.
Ça peut penser à quelqu'un? CR7, c'est pour toi. Donc, Chris Prince, c'est un attaquant qui est très robuste. Il est très physique et lui, dans la boîte, il est clinique. Il est impeccable. C'est un monstre offensif. Il a fini deuxième du Ballon d'Or et il en veut au numéro 1. Que vous pensez, je pense que vous savez c'est qui. Donc, Chris Prince, c'est un des meilleurs attaquants. Il a presque rien montré. Quand il est rentré pendant quelques minutes, il a fait du Lusa. C'est vrai que certains vont dire que Izagi l'a stoppé, tout ça, blablabla. Mais vous connaissez, ces gars-là, ils n'aiment pas 5%. Ils jouent contre des petits Japonais qui arrivent, qui découvrent le monde professionnel, qui viennent se frotter aux meilleurs. Donc, ils n'ont absolument rien donné. Donc, Chris Prince, c'est un joueur qui est obsédé par son corps, obsédé par la victoire et qui est clinique devant les buts. C'est pour Chris Prince. Le dernier de notre classement, le meilleur joueur en ce moment du bloc pro et le joueur que on a tous envie d'atteindre, que Izagi rêve, que Izagi l'a vu à la télé, celui qui a transmis la passion du foot à Izagi, le maître attaquant, le meilleur joueur, le ballon d'or du monde bloc, j'ai nommé Noël Noah. Le français, l'international français, joue au Bayern Munich. Le Bayern Munich. C'est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur. Non, pour lui, on peut bien dire c'est le meilleur joueur. Le gars, il est calme, il est posé et il est tranquille. Sa philosophie, c'est la logique. Tout ce qu'il fait est calculé, est réfléchi et est logique. Il se met dans les meilleurs espaces pour recevoir le ballon. Il se met dans les meilleurs espaces pour marquer. Son intelligence de jeu, sa logique fait de lui qu'il est à un autre niveau. C'est un attaquant de classe mondiale et le meilleur attaquant en ce moment qu'on connaît de bloc. Sa plus grande force, c'est le fait qu'il soit ambidextre. Pied droit, pied gauche, tu connais Ousmane Dembélé. Ça rentre au fond des filets. Le gars, c'est un monstre. C'est lui qui a inspiré tous les attaquants. Et vous le connaissez, à ce qui paraît, il y a un petit lien avec Ego Jinpachi. Va voir cette vidéo-là. J'en parle. Donc, c'était tout pour mon top des 5 meilleurs joueurs pro du Blue Lock. Ces joueurs sont extrêmement forts. Ils sont extrêmement puissants, extrêmement intelligents. Ce classement risque de changer parce que les personnages que je viens de vous présenter, on ne sait presque rien d'eux. C'est un classement de ce qu'on sait d'eux. Et je vous dis, on ne les a presque même pas vus en action. Je me base sur leur réputation pour dire à quel point ils sont forts. Donc, c'est sûr que je peux avoir tort. Donc, je vous invite à donner votre top 5 dans les commentaires ou voir votre top 10. Ou plus qu'on va être rendu loin, c'est des classements qui vont au fur et à mesure changer. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Melky. Merci. Passez une belle soirée. Où vous êtes. Ciao. Bye.